Salut à tous, ici Calligraphic Graphic Design. Alors aujourd'hui, on est parti sur Photoshop pour réaliser ce genre de wallpaper. Donc ce wallpaper a été fait à partir d'une image, voilà comme ça, donc celle-ci de départ. Donc c'est fait seulement pour faire un petit style quoi. À la base, c'est pas vraiment un wallpaper, c'est juste modifié à un autre wallpaper quoi. Ou vous pourrez modifier des photos, ça pourrait marcher pareil. Donc c'est parti, on fait fichier. Donc là je vais vous faire avec la même image que j'ai fait donc ce fond d'écran. Je sélectionne l'image. Donc tout simplement c'est plus un tuto technique quoi. Je fais image. Donc si vous avez ce petit canal vous pouvez débloquer, vous cliquez double clic gauche dessus. Alors image réglage noir et blanc. Ok. On duplique. Et celui-là, on le met en densité linéaire moins ajout. Voilà qu'est-ce que ça donne. Et sur le même calque, on fait filtre, galerie de filtres. Et là, vous faites des réglages. Donc, ça dépendra peut-être de l'image aussi. 5, c'est pas mal. Intensité 2. Donc, 8, 2. Et par contre, ça, on va laisser à 0. Ok. Donc, ça nous fait un petit peu un format dessin. Et ensuite, donc pour celle-ci c'est bon. Là, je peux tout de suite ajouter, pourquoi pas, un calque de réglage courbe transfert de dégradé. Ok, donc je vais réutiliser le même que sur l'autre image. Donc j'avais utilisé cette couleur, donc le rose. Donc le rose c'est FF0060 et le jaune c'est FFF476. Ok. Ramage si on veut et on le met en mode incrustation. Voilà qu'est-ce que ça donne. Et donc bien sûr je me mets un peu sur donc sur le deuxième calque, je mets un masque de fusion pour garder un petit peu de réalisme entre faire le dessin et la vraie photo. Alors je prends un pinceau, donc une broche comme ça, hop, je réduis l'opacité à 80% à peu près. Voilà, et là je passe un petit coup. Donc je vais mettre aussi sur le ciel, pourquoi pas le ciel, ça, on peut le laisser peut-être vite fait comme ça, hop, par ici un petit peu. Voilà, ça nous fait une petite transition entre l'image et un dessin, vous voyez, hop. Et ensuite si on veut ajouter un autre effet, on crée un nouveau calque. Bon, effet, façon de parler. Je vais essayer de faire un peu mieux que mon ancienne version. Vous prenez une petite brush. Donc j'essaierai de faire un petit pack de brush parce que là je peux pas vraiment vous dire c'est quelle brush que j'ai utilisée. J'en avais tellement. Donc je vais prendre la brush si je la trouve, ça serait pas mal. La brush. Voilà. Donc c'est une brush comme ça. Je sais plus trop où je l'ai téléchargée. Et donc couleur blanc. Hop. Et là je vais essayer de faire un petit cadre, donc 100%. Donc, vous pouvez prendre une autre broche aussi, hein, c'est pas forcément celle-là, tant que vous arrivez à faire un petit cadre sur le tour. Donc c'est pas vraiment obligatoire, hein, c'est juste pour faire un peu style quoi. Hop, pourquoi pas un peu comme ça. Voilà, puis tout simplement pour faire une petite police vite fait. Voilà, faut pas trop faire compliqué pour ce type de wallpaper. Hop, calligraphique design tout simplement. Donc on réduit un peu la taille, hop, voilà. On peut encore augmenter. Donc voilà, et ben ce tuto est déjà terminé, c'est le plus rapide que j'ai fait, 5 minutes, et voilà comment modifier une image en quelques secondes. Donc je vous dis au revoir et au prochain tuto. Ciao.